les choses se passent ici dehors, on dit souvent Kengela yo yae. Il dit avoir la caméra chez toi là, c'est très très bien, hein. Il vous assure. Ah! J'espère que vous allez bien. Maman, au fur et à mesure que les jours passaient, le monde s'y fait peur. C'est pour cela que je vous dis toujours ici là que la prière doit être comme ton sac à main. Ta Bible doit être comme ton oreiller. Maman, hey, wow, ho, ho, ho. Voilà une femme fructueuse. Une femme que quand tu regardes même sa maison, tu sens qu'elle a de l'argent. Voilà alors, elle dormait. Avant de vous laisser écouter la vidéo, elle dit, après un bon bout de temps dans la nuit comme cela, ses yeux, bon, le sommeil pas, non? Vous connaissez, il y a les moments que Dieu nous réveille là. Mais parce qu'on n'a pas les yeux spirituels ou bien parce que on aime tellement le sommeil, il y a des fois quand tu dors dans la nuit comme cela, hein, Dieu te réveille de prier, tu dis, ah, ton corps là, tu te tournes, tu te tournes, tu te tournes, et après tu redors. Alors que c'est le moment que tu dois te lever, prier. Ah, il dit, prier là. Voilà la femme en question. Elle dit que le sommeil finit dans ses yeux. La voilà qui se lève le 26 juin 2023. Elle se lève alors, elle dit, ah, que je regarde un peu la caméra. Pas sa grande surprise. Elle voit quelqu'un devant sa barrière. La personne vient, la personne écarte les mains. Vous-même, regardez bien dans la vidéo. Il ouvre ses mains, non, comme s'il voulait. Bon, le genre, il veut se coller au mur pour apparaître dans la maison. C'est comme cela que ça n'a pas donné. Il a tout fait, ça n'a pas donné. Il rentre en arrière. Il prend un peu un couloir, un peu penché, comme si ça devait marcher. Ça ne marche pas. Il rentre encore derrière. Il s'accroupit, non? Il met ses deux mains à terre. Donc, pour encore disparaître, non? Ça ne prend pas. Le voilà maintenant, il s'accroupit devant la barrière. Il commence à parler. Oh, tu ne dois jamais avoir les enfants. Et tu ne dois jamais avoir ceci. Il commence à creuser, il creuse, il met. Il part de l'autre côté là, il écrit les choses, il met les papiers. Il part de l'autre côté, la fille est toujours là, elle regarde. La fille dit que, ah, elle est restée là-bas jusqu'à, comme sa barrière est automatique, elle est restée, elle dit, ça c'est quoi ça? Elle a appuyé la barrière étant dedans. La barrière s'ouvre un peu à moitié en pensant que le gars devait partir. Le gars regarde par derrière. Il commence à marcher un peu, comme si quelqu'un sortait, non? Après, il arrive devant. Il ne fait que parler. Tu ne dois jamais avoir les enfants. Oh, à compter de ce jour. C'est là. Il commence à faire les incantations. Voilà la fille qui se fâche. Elle dit qu'elle n'a peur de rien. C'est ce qu'elle est en train de dire dans cette vidéo. Qu'elle n'a peur de rien. Elle se fâche. Elle sort dehors. Elle dit, je m'en vais prendre la machette. Je sors dehors. Il doit me dire ce qu'il fait devant ma barrière. La nuit, avec les mots qu'il est en train de dire, la fille dit que dès qu'elle sort là, le gars dit, ah, où c'est le père, que tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. La fille dit que j'aurais peur de quoi? Je n'ai pas peur de toi. Dégage de ma maison. Tu viens devant ma porte. Et la fille dit que quand elle parlait même au monsieur, le monsieur était toujours là en train de dire, de répéter les mots, tu dois pas avoir de l'enfance, c'est là, oh, Thibaut. Il disait les choses, beaucoup de choses. C'est là que la fille dit, donc tu es encore là, eh? Tu parles encore, eh? Attends-moi là. Elle entre maintenant, qu'elle veut prendre ce quoi. En ressortant, l'homme était déjà parti. Le matin arrive maintenant, elle dit qu'elle va aller voir ce que le monsieur faisait dehors. Elle nous montre comme cela, ce que le monsieur a écrit dehors. Il a enterré le papier avec les quoi. Il a creusé, il a enterré les choses. Elle dit qu'elle va passer là, elle va marcher. Qu'il a cogné à la, qu'il a frappé à la porte, qu'elle n'a peur de rien. Que rien là. Elle nous montre ce que le monsieur a écrit et tout et tout, tout, tout. Que la vis là. Qu'elle n'a peur, que ce que le monsieur est venu faire là. C'est que le wash-wash, que ce que le monsieur est venu faire là, elle ne gère pas ça. Oui. Mais la famille, si tu n'es pas spirituel, si tu n'es pas fort en Dieu, ne fais pas le genre si là-haut. Appelle seulement un grand homme de Dieu. Oui. De venir prier et briser et mettre l'huile d'onction sur ce que le monsieur est venu faire. Parce qu'il y a des gens, si tu n'es pas si fort en prière, ou bien si tu n'es pas bien, bien solide là, tu vas là-bas comme cela, porte ta part. Donc, c'est souvent conseillable de être fort en prière, oui, être fort en quoi que vous croyez, ok? D'être spirituellement fort,
d'affronter les choses comme cela. Parce que ce qu'elle a fait maintenant dans la vidéo, ça nous prouve que réellement, elle est forte, peut-être dans la prière, ok? Donc, elle ne croit pas en ça. Donc, pour elle, elle connaît que son Dieu lui garde et que ce que le monsieur est venu faire, ça ne doit pas la toucher, ok? Ou bien, peut-être, je ne sais pas sur quoi elle compte, mais elle a dit qu'elle n'a pas peur de ça. Vous avez vu comment elle a marché, elle nous a montré et tout, et tout, et tout. Mais, je vous conseille juste, si vous n'êtes pas spirituellement fort, ne sortez pas, appelez seulement le pasteur, parce qu'il y a des gens comme cela, ils viennent mettre les autres, tu traverses là. Et on entend seulement que, les histoires, ok? Donc, c'est un petit conseil que je vous donne aussi. Les choses comme cela, c'est les grands hommes de Dieu, ou bien quelqu'un qui est vraiment fort dans la prière, qui peut, bon, directement sortir comme cela, traverser ce que le monsieur a fait, ok? Mais, je demande que, pourquoi est-ce que certains êtres humains sont comme cela? Pourquoi est-ce que vous avez le cœur comme ceci? Quelqu'un est chez lui, la personne est en train de dormir. Toi, au lieu de dormir aussi, tu dis que non, tu veux venir chez quelqu'un. Tu commences à creuser devant la maison de quelqu'un. Tu commences à dire que cette personne ne doit pas avoir des enfants et tout et tout. Tu ne connais pas cette personne. Ou on t'a envoyé seulement au... Tu viens, merde. Si tu as les enfants, tu laisses tes enfants à la maison pour aller faire ça devant la porte ou bien devant la maison de l'enfant de quelqu'un aussi. Vraiment, Seigneur. Waouh, Dieu. Dieu de miséricorde, ou c'est miséricorde qu'il avait dit. Oh, mon Dieu. Les choses se passent ici dehors, la famille. Ouais, qui est... Quand j'ai vu ce dire, j'ai dit non, 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 non. Je vais vous en parler. Partagez-moi cette vidéo. So, guys, on this peaceful morning, my instinct just told me to wake up and stare at my camera. I was really sleepy, but I just had to. I was staring at the camera and I saw this man moving towards the wall. He kept his two hands on the wall as if he wants to disappear. I don't know. As if he wants to disappear. That is the man right there. After that, he moved. It'd be like he just not walking. Nobody disappeared. Because I mean, he came towards his place. Came towards his place. Bent over. He bent over. Put his two hands on the floor. As if he wants to disappear again. I'm like, man, they know they disappear for you. You know they walk. You know they walk. You're in the wrong premises. This place is on fire for Christ. They know they disappear. Say, he came towards my house, looked left and right, brought something out of his pockets, bent over, and started digging. And right in, I was digging. Okay, you can see him over there. You can see him over there. You can see. I know it's very hard for people to believe stuff like this. So, let me just quickly show you the date. Look at the date. It's 26 on Monday, 26, 2023. You can see, you can see, because people find it very difficult to believe stuff like this. So here, this is the man here, still digging and writing. I don't know. Then at this point, he came towards my gate. At this point, I was really confused, like, don't come to my place and start doing your rubbish here. At this point, I wanted to scare him away. I was still upstairs. I have my key is automatic. My gate is automatic at this point. I opened the gate a bit to scare him away, to think somebody's coming out. I opened my gate to get to a point. Yeah, you can see I opened my gate, the very tiny part of the gate, and I quickly closed it back. And at this point, you can see the man looking backwards and forward. Okay, you can see him running away here. You can see him running away. Okay. And at this point, I was really angry. I had to come outside because, I mean, you don't come to my premises and do this kind of crap. It doesn't work. It doesn't work. I am very daring and challenging. I know they fear anything. I came towards this place. When I came, I was watching him. He was saying some things like, may you never have children. May your bony people eat your body. May your children never have children. At this point, I said, hey, what are you doing there? Carry your juju and leave my premises. Carry your juju. And the man looked to me and was like, so you know the you know the fear. He started saying the things to my face like, hey, Ogboni go eat you. At this point, I went inside my house. I was going to bring cutlass because the fuck I'm going to behead you, okay? So here, and okay, I think I missed some parts. This is the point where I came out again to check if he stayed outside my premises. But I think by then he already left. He ran away. So, yeah.
So guys, yeah, I'm just gonna go out real quick to check what your mom was doing last night. If there's anything there, because I saw him writing some things that he was doing outside my house. So let's go check real quick. Just watch real quick. This is a place he was digging. I don't know the kind of thing. Yeah. I know there are people that are mad. You know, people dig when they're mad. They descend school. That camera over there. For you to be saying things like that and digging things and writing things, it doesn't make any sense to me. Real quick, I don't think this is madness. This is he's being diabolical. He's being diabolical. Whatever he's doing is being diabolical. So. See the other side, look at what he buried. I think I saw something like a pieces of paper there. Wow, I love and he put sand and put some red whatever there. Whatever. Came to the wrong I saw his place. My legs scattered out of shit. I just said the wrong for you. Forget.